Salut à tous, c'est Calypso. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en moto. J'espère que la coiffure vous va cette fois-ci, hein, parce que vous avez été vraiment des gros enfoirés dans les commentaires de la dernière vidéo. Ouais, faites pas les mythos, ça vous arrive jamais de vous coiffer comme des bites? Arrête de mentir derrière ton écran, je le sais, enfoiré. Je ressemblais un petit peu au mec du jury de Danse avec les Stars ou le mec qui fait la pub Viveldop. Mais bon, ça, c'est à vous de voir. Mais vous êtes vraiment des enfoirés dans tous les cas. Donc, aujourd'hui, pas de vidéo. Voilà, je voulais juste vous faire un petit message comme ça. Ouais, c'est vrai, je suis drôle. Ouais, je commence à faire dans l'humour, hein. Je me lance, j'essaie de faire ma petite place tranquillement. Bon, et à part mes cheveux, on va pas parler de mon visage, hein, parce que je suis encore une fois malade, ça fait plaisir au passage. Donc du coup, à chaque fois que je suis malade, je perds au moins 2 kilos. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc du coup, à chaque fois, je suis putain de maigre, c'est un truc de fou. Du coup, si vous voulez faire une petite cure d'amincissement, venez chez moi, je vous explique tout, il n'y a pas de souci. Je vous fais un petit planning tranquillement. Voilà. Aujourd'hui, on va faire une vidéo en super motard, en dirt. Les dirt super motard. Ouais, machin, tu dis, ça s'appelle une super motard, c'est tout petit. On se calme. C'est une vidéo que j'ai tournée en juin avec Kias Prod chez un abonné. D'ailleurs, Kias Prod, si tu vois cette vidéo, donne-moi des nouvelles parce que ça fait plus de 2 ou 3 mois que j'ai pas de nouvelles et que personne n'a de nouvelles de toi. Donc, ça m'inquiète un petit peu. J'espère que t'es pas mort. Je dis ça en rigolant, mais ça me fait pas rire. Une vidéo tournée en juin que je vous passe seulement maintenant. J'ai tourné plus de contenu cet été pour pouvoir vous en proposer un peu plus justement cet hiver. Parce que l'hiver, vous le savez, c'est pas top hein, de sortir la moto quand il fait froid, que t'as les mains toutes gelées, etc. Que tu peux à peine bouger, c'est vraiment pas le top. Donc du coup, si je veux vous proposer un minimum de contenu cet hiver, fallait que j'en tourne un peu plus cet été. On était chez un abonné, donc d'ailleurs, merci à toi Anthony de nous avoir prêté ce terrain pendant la vidéo, tout simplement. Une petite piste de karting qui fait plaisir. C'était la première fois que je faisais du super motard et c'était la première fois aussi que je testais ma 150 verte. Vous l'avez vu plusieurs fois dans la vidéo, mais c'était la première vidéo que je faisais avec celle-ci. Donc du coup on s'est amusé à découvrir un petit peu le super motard et à la fin on s'est fait une petite course comme ça entre potes. Allez, sur ce je vais vous dire bon visionnage à tous et n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir, ça motive et ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas aussi de commenter si vous avez envie de donner votre avis sur la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et bye bye tout le monde. M-double-O, get my damn flex on. Going real hard like a DMX song. Gotta lay low when the stand back zone. Got a girl up north and a fan back home. Can't nobody do it like me, man. You can never understand, it's a G thing. I'm about to make a call to the wee, man. Just a little something for the pregame. Young boy from the west, but it's love in the south. Goons on deck, put the slug to your mouth. Don't say a word if it's drugs in the house. I'ma call Code Red if it's bloods in the house. West Coast shit, man, I feel like K. Salut à tous, c'est Calypso. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est sur un terrain de super motard. Je suis avec Kias et ses potes, ça va les gars? Ça va. Aujourd'hui on va faire des petites courses, on va délirer sur le terrain. Et puis bah si vous êtes prêts les gars, on est parti. Let's go. Gentiment au début hein. Allez, on va commencer par faire quelques tours de terrain gentiment, histoire de vous faire voir un petit peu à quoi il ressemble. Donc là vous l'avez vu, le départ est là-bas. Là on a les premiers virages, les petites épingles. Vous l'avez vu aussi peut-être. Vous avez peut-être pas eu le temps de le voir, mais j'ai pas de frein avant sur la moto. Parce qu'il y a un problème avec les roues super moteurs. Elles sont pas adaptées à cette moto. Donc on a dû trouver un petit système D, on va dire. Enlever le frein avant tout simplement. Bon, on avait dit mollo, mais bon. Ah, c'est trop bien le super motard. Allez, c'est parti, on accélère un peu. Allez, let's go. On va se faire chauffer les pneus. Pour ceux qui demandent aussi, c'est un circuit privé ici, donc vous pouvez pas venir. C'est le circuit d'un de mes abonnés. Ah, sur le frein avant, c'est chaud. Hein. Des fois, je suis allé tout droit. Woo!
faut que je fasse gaffe parce que je dois jouer avec le frein moteur et le frein arrière ici. Sinon je suis à tout droit comme tout à l'heure. Mais je sais pas si vous le voyez, mais là juste sur le bord de la piste il y a des abonnés. Donc petite dédicace à eux. Bon, ça fatigue beaucoup moins que les terrains de cross ou de dirt bike, mais c'est quand même assez physique, pas vous mentir. Ce virage là j'ai encore un peu de mal, vu que j'ai pas le frein avant, je peux pas trop freiner avant d'arriver, c'est un petit peu la S. À chaque fois c'est juste hein, sur ce virage. Sans frein avant c'est quand même assez chaud de freiner. Parce que si je freine pas la moto part du cul, donc c'est un peu chaud. Ça, ce virage là je l'adore. On va les attendre. On va essayer de leur laisser une longueur d'avance et essayer de les rattraper. Allez, c'est mon petit défi. Putain, il est passé vite hein. Ah, il est passé vite. À 690 devant. Du temps. Oh, ça vibre! Ah, j'ai rétrogradé en 1 comme un connard. Wouh! Coming to that's falling. J'ai perdu Kiaz.
Ça va? Et la première chute. Le festival. Allez. Surprise. And prove to you I'm not the average guy. It's just my flaws that they magnify. Wouh. J'ai oublié le virage. On fait une petite course pour finir. Attention, on va aller tranquille. J'y crois pas. Attends, j'ai le temps de les rattraper, gros. On a 10 tours. Je l'ai rattrapé. J'ai confiance en moi. With my niggas, my family, my clique. In the bunk is a joke, so I never be sleeping till I know I'm waking up rich. Allez, on rattrape. Eh, je rattrape mon gars. Deuxième. Ouais, il y a eu un abandon, voire deux même. Ça va jouer entre lui et moi maintenant. Ouais, il est rapide, l'enculé. Passez devant nous, l'enfoiré. On va gagner. J'ai pas peur. Allez, encore à peu près 5 tours. Là, j'arrive pas à le rattraper, bordel. Ah, je suis fatigué de fou. On a dû faire la course au début de journée, ça aurait été mieux. C'est là, il peut prendre plus d'angle que moi. J'ai pas compté les tours. On est tous les deux très loin devant les autres. Et avec sa 690, j'arrive pas à le suivre. Je pense que c'est terminé. J'ai pas réussi à le rattraper avec la 690. Ça y est, c'est la fin de la vidéo. Je suis désolé pour les cheveux et la gueule, hein. Je suis super fatigué. Vous l'avez vu, j'ai pas réussi à rattraper la 690. Mais en tout cas, on est premier des pitbikes, donc ça fait plaisir. C'était... Oh là. Oula. Wouhou. Sur ce, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas... Oh putain, mais c'est horrible. N'hésitez pas à mettre un gros like sur la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.